Le taux de mortalité que nous voyons là, c'est en Europe, où les structures de santé sont bien organisées, sont efficaces. Mais si ce virus vient chez nous, en Afrique en général, et en RDC en particulier, où le système de santé est très faible, où les hôpitaux sont mal équipés pour réanimer la malade, parce que les problèmes que nous aurons, ce sont des problèmes respiratoires. Il faut réanimer. Et ça, la plupart de nos hôpitaux n'ont pas cette capacité. Nos hôpitaux n'ont pas les désinfectants nécessaires pour protéger le personnel soignant. Une fois que le personnel soignant commence à tomber malade, ce sera la panique. Or, en ce moment, il faudra réquisitionner tout le monde. Tous les infirmiers, tous les médecins seront réquisitionnés parce qu'il y aura un afflux de malades très important. Donc, avec le coronavirus, nous aurons certainement des taux de mortalité qui vont avoisiner les 10%. Et il y aura certainement un taux d'infection du personnel médical assez effrayant qui pourrait donc provoquer la fuite du personnel médical, n'est-ce pas, dans les hôpitaux.